Alors, ici à Quinta del Orto, ça c'est du boulot, hein? On travaille bien pour l'arrivée des bateaux participant à la 78e édition de la Transquada et leurs familles qui commencent à arriver ici au resort ce soir. Donc, on a ici à la marina environ une équipe de 20 personnes, partie marina, partie chantier, partie hôtellerie, pour préparer tout ça qu'on regarde ici. Ça c'est une grande opération logistique assez complexe pour déjà changer des bateaux au ponton pour avoir la place pour tous les bateaux participant à la Transquada, les zodiacs et bateaux d'assistance à la mer, et aussi le village que maintenant est presque terminé pour le programme de promotion de Madère qu'on a préparé. Ici à Madère, en été, c'est les mois des festivités typiques de Madère, les festivités qui mélangent la partie religieuse avec la partie gourmande et la partie culturelle et musicale. Donc ce qu'on voulait faire ici à Quinta del Orto, c'est créer le scénario pour une fête typique de Madère avec les décorations, les fleurs, les verdures, la musique aussi. Pour que les participants arrivent ici, croyez qu'ils sont déjà au milieu de les villages typiques madériens. Une semaine, à partir du 2 août jusqu'au 7-8 août, on aura des animations musicales ici tous les jours au village. On aura aussi des dégustations de vin de Madère, de poncha, le rhum de Madère, des produits typiques, le gâteau de miel, des cannes à sucre aussi. Donc ça c'est pour donner un petit peu de goût de ce que c'est Madère, aux participants, les familles. Et après, les inviter à visiter notre belle île et aussi connaître notre culture. On attend les concurrents et aussi les familles.